We're here occupying our land to show them that we are here. We use this land. We still live here. Carmichael, dans le Queensland. Voilà à quoi ressemble une mine de charbon en plein effort de guerre. Quand la Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022, plusieurs pays européens demandent à l'Australie d'augmenter sa production pour approvisionner une Europe qui a faim d'énergie fossile. Depuis la guerre, l'Australie a envoyé 3,3 millions de tonnes de charbon vers l'Europe. Près de la moitié venait de cette mine contrôlée par Adani. Son propriétaire, le milliardaire indien Gautam Adani, a senti le vent du boulet. Ou n'a tout simplement pas cru à la fin de la suie. En 2020, il a implanté une branche commerciale à Genève pour écouler son charbon. Le tout grâce au soutien de Crédit Suisse, qui lui a permis de lever 27 millions de dollars. Gautam Adani est un homme pressé, pressé et ambitieux. Son projet initial visait à la construction d'une mine, la plus grande au monde, avec 60 millions de tonnes de charbon. En 2022, Carmichael en a produit 10, convoyés sur 300 km en train jusqu'au terminal Abbot Point, acquis en 2011. Depuis là, des braquiers viennent chercher le charbon et l'emmènent en Asie du Sud-Est ou en Europe. 24 000 km de navigation, une aberration logistique et écologique. Le charbon est la plus polluante des énergies fossiles. Les braquiers doivent traverser la Grande Barrière de Corail, inscrite au patrimoine de l'UNESCO et considérée en péril par les experts de l'ONU. Et enfin, la mine Carmichael est située en territoire aborigène. We had the human right to be here under Section 28 of the Queensland Human Rights Act 2019. Issu de la communauté aborigène, Cody McAvoy est un enfant de la région. En 2019, il a d'abord occupé seul une portion de la terre de ses ancêtres située en face de Carmichael. Délogé par les services de sécurité d'Adani, il revient accompagné de sa famille et de militants écologistes. So, we have been sitting in front of the mine for 407 days, and we first started our ceremony on the 26th of August 2021, and the fire has been continually burning ever since, and there's always been one person inside the stone circle, and this has been maintained for today is day 407. We're here occupying our land to show them that we are here. We use this land, we still live here. And we still hunt, we still do all these things and we want to carry on our stories. Originaire du Gujarat, Gautam Adani est un ancien commerçant de diamants qui s'est reconverti dans le charbon. À l'été 2022, le monde entier craint pour son approvisionnement. Avec le boom des matières premières, Adani devient la troisième fortune mondiale, derrière Elon Musk et Jeff Bezos. En Suisse, il pose encore 10,5 milliards de dollars sur la table pour acheter les activités indiennes du cimentier Holcim. À Genève, c'est dans cette rue qu'Adani a établi ses quartiers, dans une petite fiduciaire de la place qui dit se contenter de gérer son courrier. La présence est modeste. Adani est en réalité un groupe, un tissu de sociétés enchevêtrées à travers le monde, dont 7 sont cotées en bourse. Le groupe est actif dans les ports, dans les aéroports, il possède des centrales électriques, des mines à charbon, en somme, toute la chaîne de production. Quand le candidat Narendra Modi est en campagne électorale, c'est même dans le jet privé de Gautam qu'il voyage. Mais Adani est aussi actif dans l'immobilier et plus récemment dans les médias. Gautam Adani n'est pourtant pas connu pour aimer les questions des journalistes, ni leur présence. Lors de notre reportage dans le Queensland en octobre 2022, ses services de sécurité nous ont suivis, filmés, puis menacés de représailles judiciaires en cas de diffusion de nos images. Malgré la pression, les communautés aborigènes organisent la résistance. We're not protesters, you know, we're traditional owners of this country, trying to fight back for our own land. This place is sacred to us because, you know, this is who we are, and this is where all our sacred trees are, everything, this is why we're here, even, you know, all our cultural sites here, you know, we're here to protect those and protect the water itself, you know what I mean? Because the water is us, you know, without water there's no life. You know what I mean? It's crazy how the white man tried to wipe us out. Yeah, it's just all these mining companies that are here on our country. You know what I mean? You've got Glencore, and then you know you got all these other ones like Rio Tinto and that. And it's just crazy how they can just all come on our country without
without our consent and just dig up our country. And it's been a pretty hefty fight, but hey, we're still here, eh? Yeah. Adani projette d'ouvrir ou d'étendre 60 mines de charbon à travers le monde. C'est la deuxième multinationale avec le plus de projets de polluer. Mais elle n'est pas la seule à voir grand en Australie. Glencore est le premier mineur du pays avec 15 mines. Le géant zougouas s'était pourtant engagé à désinvestir le charbon progressivement. Dans le Queensland, il n'hésite pas à souffler le chaud et le froid. C'est sur cette forêt que Glencore prévoit de construire une gigantesque mine avec 6 puits à charbon. Prévoit ou prévoyait ? Car début décembre 2022, Glencore a annoncé renoncer à son méga-projet Valeria. Les raisons évoquées, ses engagements climatiques, puisque le groupe promet d'atteindre le zéro émission de gaz à effet de serre d'ici à 2050, mais aussi la hausse des taxes prévues par le gouvernement du Queensland. Comme nous avons pu le constater sur place, l'espace est pourtant déjà balisé sur 10 000 hectares et la plupart des fermiers ont été expropriés. Les travaux devaient débuter en 2024 et s'étendre sur 30 mois. La durée de vie de la mine court sur 37 ans, soit bien après 2050. C'est un paradoxe. L'Australie semble ne pas se soucier de son bilan carbone. C'est pourtant l'un des pays industrialisés les plus vulnérables au réchauffement climatique, avec ses milliers de kilomètres de plages et ses forêts parties en fumée en 2020. Dans les milieux touristiques du Queensland, les langues se délient à mesure que se multiplient les phénomènes de blanchissement sur la Grande Barrière de Corail et les cyclones. La faute aux énergies fossiles, et notamment au groupe Adani qui n'est pas non plus connu pour son respect de l'environnement. En Inde, mais aussi dans le Queensland, il s'est déjà rendu coupable de pollution. C'était en 2017, lors du passage du cyclone Debi. At Adani's coal port at Abbott Point, the winds and the rain led to a lot of coal being washed into the Kalee Valley wetlands and also into the waters of the Great Barrier Reef. Face à la toute-puissance du lobby de la pelle et de la dynamite, les activistes australiens en appellent à se débarrasser du charbon. We are fighting for our home here. Don't let Adani set foot in Switzerland. Help us kick him out of here. Wurrumbulli.